Salut tout le monde, c'est Bourreau 13. Donc j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment craquer Endorphine. Donc c'est la version 2.7.1. C'est donc la version craquée puisque ce logiciel est payant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel pour faire des animations 3D. Donc moi je trouve que ça elle va bien avec Cinema 4D qu'on peut voir là. Donc ça se présente comme ça avec un caractère un petit peu en fait comme Blender ou Cinema 4D. C'est un petit peu la même chose niveau format. Donc en fait on va se rendre sur internet, on tape Endorphine, il n'y a pas de E, voilà. Et on clique directement sur le premier lien que je vais vous mettre dans la description dans tous les cas. Et vous atteindrez cette page. Donc voilà, vous cliquez sur Endorphine, Try it now, hop, 2.7, et vous la téléchargez. Donc c'est assez rapide. J'annule moi, parce que je l'ai déjà téléchargé. Je crois que ça dure même pas 10 minutes le chargement. Donc c'est assez rapide hein, pour un logiciel comme ça. Et une fois téléchargé, bon, vous l'enregistrez comme d'habitude. Et une fois que vous l'aurez enregistré, donc vous aurez le petit icône là-dessus, sur le bureau. Vous l'ouvrez et vous verrez qu'il vous demande des clés. Donc ce logiciel est payant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il est payant, enfin on a une version d'essai. Si vous venez de télécharger, vous avez la version d'essai. Et elle vous permet de faire pas grand chose en fait puisque vous pourrez rien importer dessus. Donc le principe étant quand même d'importer des nouvelles images, tout ça, donc vous pouvez pas faire grand chose. Donc il vous aurez là sur la petite fenêtre qui va s'ouvrir une adresse mail à entrer ainsi qu'une clé. Donc l'adresse et la clé je l'ai mis ici. Donc je vais vous pareil hein. Je sais pas si vous voyez là, donc je vais vous le mettre dans la description. Et vous aurez plus qu'à taper les coordonnées. Vous pouvez faire un copier-coller, hein, CTRL-C, CTRL-V, pour aller plus vite parce que c'est quand même assez long. Et vous êtes sûr au moins de ne pas avoir fait de faute. Donc voilà, je pense que une fois que vous avez fait ça, tout est bon. Vous n'aurez même pas à relancer le programme puisque ça va vous directement vous l'installer, enfin vous le mettre en version craquée, en version complète. Donc voilà, c'était assez facile, c'est un logiciel assez facile à craquer. Il fait pas mal de bonnes choses, hein, surtout avec Cinema 4D, moi je trouve que ça va bien ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas mal aidé et que vous pourrez faire plein de projets sur Endorphine. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao! Ciao!